Yep, salut à toutes et à tous, ça il est et bienvenue dans ce 20e épisode de Grand Dead. Ça fait super longtemps que j'y ai pas joué, je ne me rappelle plus du jeu. Je sais simplement que déjà il faut dormir. Et je sais que la dernière fois on était allé sous l'eau pour trouver une entrée, l'entrée d'un labo secret. Donc j'ai bien envie de retourner comme ça un petit peu. Alors on m'a dit justement que c'était par là qu'il faut que j'aille. Oh putain, la carpe. Alors, je crois qu'elle est inoffensive, la carpe. Hein. On peut s'en approcher. Nope. Nope. On va descendre tranquillement. Il me faudrait des bulles. Putain, j'y vois rien, là. Voilà, une petite bulle. Impeccable. Alors, où est l'entrée de ce labo secret? Enfin, un secret. Pas vraiment secret, mais... On va suivre les tuyaux. Qu'est-ce qu'on a? On a des mythes. Des mythes d'eau. Oh putain, il y a des araignées. Ok. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Apparemment, c'est plutôt ici, hein, le labo. Hein. La dernière fois, je cherchais de l'autre côté, là-bas. Mais apparemment, c'est plutôt par là. Des punaises d'eau. Oui. Alors, je sais plus comment on joue. Ça se trouve, je vais claquer. Oh putain, il y a une araignée. Comment on joue déjà? Là, il y a l'air d'avoir des tuyaux. Ah, attendez. Il y a un trou ici. Ah, attendez, voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un jouet T-Rex. Oui, alors, oui. J'aimerais bien une bulle. Super. Ah oui, d'accord, il faut suivre ça. Oh, le jouet T-Rex, quoi. Comment ça fait peur? Le T-Rex abyssal. Est-ce qu'on peut aller dedans? Mutation détectée, qu'est-ce que c'est que ça? Lance à dard pourrissante. Je prends. Une lance à dard. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, des choses. Il y a des choses à prendre. De la science brute. Ah, est-ce que c'est ça? Oh. Oh là là. Oh. C'est peut-être ça. Oh. Oh, ça me pousse. Salut Tominato. Attends, parce que je vais bientôt claquer là. Je vais bientôt mourir de décès. Ah, il me faut une bulle. Vite, une bulle. Ah, c'est sûr que c'est là en plus. C'est sûr que c'est là. Allez, nage plus vite. Putain, y'a pas une bulle pour moi. Au secours, à l'aide. Non, je veux pas mourir. J'étais tranquillement en train d'explorer les profondeurs. Non. Pete a fait quick. Pete a fait quick. Bon. On y retourne. C'est reparti. Alors, allons au fond des choses. Et c'est la mort. Ouais. Maintenant, on sait où il faut aller, donc... Par contre, on peut pas nager plus vite. Ah, peut-être que... Peut-être qu'en fait, il me faudrait des palmes. Il aurait fallu que je me fasse peut-être des palmes. Mais enfin. Ma foi. Allez, la petite bulle, là. La petite bulle qui fait du bien. Bam! Allez, on continue. C'est parti, quoi. L'exploration sous-marine. Ah, voilà. Et il y a mon sac à dos. Je vais le récupérer. Enfin, j'espère. Putain, mais... Je suis vraiment lent, quoi. Et là-dedans, si je passe là-dedans... Ah, ouais! Ah, ok. Ah, mais bien sûr... Il y a mon sac à dos. Par où je peux rentrer, au secours. Putain, mon sac à dos. Oh là là, je mets tellement de temps. Parfait. Mon petit sac. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Allez.
Non, je veux pas remourir. C'est compliqué, c'est trop compliqué après. Est-ce que c'est par là qu'il faut que j'aille? Il y a un trou là. Non, c'est pas un trou. Ah, à l'aide! Au secours! C'est là-bas. Non! Pitié! Pitié, une goutte! Une goutte d'air! Oh putain! Oh non! 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 Attends, je vais mourir là-dedans. Comme ça, mon sac sera plus facile de récupérer. Oh non, à l'aide! Pete mange les adventices par les racines. Ah! Tu fais quoi, toi? Je tente quand bien même de survivre. Putain, mais c'est fou qu'il n'y ait pas une goutte. Enfin, une goutte. Allez, bam! Bon, heureusement, je repars avec un petit couteau là. Et aussi mon tuba. Ça, c'est bien. Voilà, c'est par là. Ah, la goutte. La bulle. La bulle. Faut que j'arrête de dire la goutte, c'est une bulle. Ok. Bam. Allez, la bulle. Hop là, on continue. Allez, bam. Là, voilà, par là. On perd pas de temps, on speedrun le jeu. Mais je suis tellement lent. Ok. Super. C'est con que ça nous rapporte pas un petit peu de... Ah, c'est quoi ça là-haut? Il y a une porte. Ah putain, c'est une porte. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des trucs à faire. Laboratoire de la mare. Il manque de l'énergie. Du courant. Du courant alternatif continu. Ah, c'est compliqué, hein. Alors, mon sac, il était là. Science. Ok. Allez, quoi, de l'air? Il y a plein de trucs. Et je vais encore mourir. Mais non, mais non. Ah, peut-être que... Attends. Je peux pas ouvrir. Non. Non, pitié, pitié, pitié! Non! De l'air! Il doit y avoir un moyen. Déjà, c'est sûr. C'est sûr déjà qu'il nous faut... C'est sûr qu'il nous faut de l'électricité. Et encore, on a de la chance, il n'y a pas d'araignée. Allez, une petite bulle. Voilà. Je vais au moins récupérer mon sac là. Au moins ça. Regarde s'il n'y a pas des crafts à faire pour t'aider sous l'eau. Alors c'est sûr, je vais juste récupérer mon sac et c'est sûr qu'il doit y avoir des crafts. Hein. Y a des crafts genre des palmes, des trucs comme ça. Mais là, il va falloir quand même qu'on fasse, parce que j'ai déjà un tuba. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Statue. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Juste récupérer mon sac et après je me casse. Je me casse. Après par contre, c'est vraiment là qu'il faut aller. Hein. Pour le coup. Ah, je vais devoir ramener mon sac petit à petit. Je crois que je vais recharger la sauvegarde. Attendez. Je vais faire ça. Charger. Attends, c'est quoi ça? Ça n'a pas l'air d'être ma sauvegarde juste avant. Là. Bon. Non, c'est aujourd'hui. Oh purée. Allez, mon sac. Hop. On y retourne. Dans l'autre sens. Oui, bah je sais qu'il y a un labo, je le sais. Oh, c'est terrible. Je vais essayer d'aller au maximum que je puisse aller. Genre là, c'est parfait.
putain. Bon. Ouais, mon sac, il est pas si loin que ça. Allez, on retourne. Bon, on découvre, hein. Ça fait partie du let's play. On découvre des choses. Des araignées. Des araignées un petit peu pas très contentes, quoi, de me voir. Allez, bam, la petite boule, là. Hop, là. Ok, on y va, on récupère le sac et on se casse. On se casse, on se casse. Si j'y arrive. C'est fou ça, normalement, je suis quand même un peu plus rapide. Hein. Peut-être pas. Hein. Ok. Aïe. Merde, il est où mon sac? À l'aide. Ah! Parce que c'est bien ça, normalement le sac il remonte à la surface, sachant que je suis dans une grotte sous-marine. Ça marche pas trop. Ça marche pas des masses. Oh, tu vas pas me dire que je vais encore mourir et devoir aller rechercher mon sac. Il me faut des palmes. Il me faut des palmes, fais voir un peu. Ah, j'ai pas de palmes. J'ai le tuba, mais j'ai pas les palmes. Ça va pas cette affaire. Oh là là, je suis si près de la... Oh là là, je suis si près de la bulle, c'est horrible. Oh, c'est horrible, j'étais vraiment à côté de la putain de bulle, non. Alors peut-être que là, le sac, il est remonté à l'extérieur. Peut-être que j'ai réussi quand même à le faire remonter. Même pas. Oh putain. Équipement endommagé, pardon. Il est là, mon sac. Super. Comment ça, équipement endommagé? Ah ouais, ça, ah oui, le tuba branchi sans dommage. Ah! Bon, je récupère mon sac et je remonte. Et on va se faire des palmes. Je suis sûr que ça pourrait m'aider en vrai. Peut-être un peu mieux. Putain, juste à cause de ça, quoi, horrible. Attention, hein, je suis armé. Hein. Je suis armé paré. Paris à la défense. Ok, bon. Alors, je me demande quand même si c'est pas ces tuyaux là qu'il faudrait aller les activer quelque part. Les tuyaux qui mènent au truc là. Voilà. Ah! 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 Voilà. Ah, bah, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de son. Il n'y a pas trop le son du jeu pour vous. Ok, bam. Ah, c'est mieux comme ça. Ah, j'entends une coccinelle. Ah non, c'est un tétard. Ah bah voilà. Oui. Bon, j'ai récupéré mon sac. Comment on fait un truc, un tuba des palmes? Comment on fait des palmes déjà? Cache-œil, tuba branchie. La corde en soie. Masque à gaz. Mm-hmm. Plastron. Poncho. Jambière. Ah, mais j'ai peut-être pas découvert les palmes, en fait. Chercher des formules. Mm. Comment je peux faire ça, des palmes? Oh là là, je suis perdu. Je suis perdu dans ce monde. Bouclier d'agleur. Un lisier végétal, une pâte épaisse faite à partir de mélange des morceaux de plantes. Ça devrait être là-dedans normalement, dans le bas du corps. Jambière, chausson, puceron, genouille en chitine, jambière asticot. Ah, où est-ce qu'on fait des palmes? Putain, c'est là-dedans. Je sais plus. Je sais plus faire. Non, ça c'est pour faire des smoothies. Mmh.
Cuisiner, hop. Et j'en ai pas sur moi des jambières, justement. Des palmes, il me semblait que j'en avais. Qu'est-ce que c'est que ça? Dard d'abeille. Ah. C'est pas analysé. C'est quoi? Un duvet d'excellente qualité qui porte les fameuses couleurs jaune et noire. J'ai presque envie d'aller regarder sur internet comment on fait des palmes. En tout cas, qu'est-ce qu'il faut analyser? Qu'est-ce qu'il faut analyser pour faire les palmes? Rôti de charançon. Alors attendez, on va vite faire regarder. Alors, palme grounded. Palme grounded. Alors, palme, disais-je. Palme grounded. Nouvelle ressource, grosse mise à jour aquatique et optimisation. Ah putain, on peut se faire un casque sous-marin, quoi, sous l'eau. Des sortes de donjons, aventurez-vous dans une tanière d'araignée, encore une fourmilière. Alors, attention. Ah, les carpes koi en fait. Ah, les nouveaux mobs ont été ajoutés, n'hésitez pas à les chasser pour crafter du nouvel équipement. Attention, certains d'entre eux risquent d'être redoutables. Les carpes koi. Ah d'accord. Vous gagnerez un bonus d'oxygène si vous parvenez à chasser une araignée sous-marine ou un cladocère. Alors, comment on peut faire ça? Les palmes, le respirateur. Un respirateur? Ah, ça, c'est intéressant. Et comment on fait tout ça? Parce que moi, je suis un peu nul, quoi. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide. Le laboratoire secret de Koi. Préparez la plongée. Une fois que vous avez établi un camp de base, il est temps de vous plonger vos orteils dans l'eau. Blablabla. Dag, flop, d'aileron. C'est quoi? Nageoire de batelier d'eau. Votre première science débloquera les recettes pour un couteau à galets, des ailerons. Ah putain, les cadrons pouvaient. Attends, c'est activé lorsque vous activez le cadran et cela vous aidera à propulser rapidement sous l'eau. C'est beaucoup plus rapide que simplement nager si vous manquez d'oxygène. Amenez le jet stream au prochain cadran. Comment ça le jet stream? Donc, deux formules de niveau 5 de matière grise. Alors, notamment fabriquer un casque bulle pour respirer sous l'eau ainsi que des palmes en nageoire pour nager plus rapidement. Oui, d'accord, mais comment on fait ces putains de palmes? Comment on fait ces putains de palmes? Poitrine de gland. Armure d'abeille, de trèfle. Armure de poisson koi. Ok. Armure de trèfle, armure d'abeille. Bon, ma foi, c'est pas très grave. On verra ça la prochaine fois. Juste en tapant la carpe koi, tu récupères des écailles. Ah! Va sous l'eau et tape avec ton couteau les créatures. Ouais, mais attends, parce que je vais pas faire 2 minutes, moi, si je fais ça. Oh, c'est compliqué. Mais c'est j'adore ce jeu, mais c'est compliqué quand tu sais pas. Hop là. Ma foi, si vous avez apprécié l'épisode qui n'a servi à rien, n'hésitez pas à le dire. À mettre un gros pouce bleu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah bonjour, une puce d'eau. Pardon? Mais fuck! Putain, c'est pas possible.
par les puceaux, c'est tellement dégueulasse. Ok, chair de puceau. Ah, c'est tout. C'est tout ce que je gagne. Oh, génial. Tiens, je vais récupérer un petit peu ce qu'il y a sous les nénuphars, là. La gelée de nénuphars. Sève de nénuphars. C'est mieux que de la gelée. Ok. Est-ce qu'il y a encore de la sève pour moi? Là, il y en a un petit peu. Sève de nénuphar. Je pense qu'on peut faire des trucs avec ça. Faut que je demande à Evilou. Evilou, il s'y connaît trop bien dans le jeu. Et ça, là. Les canouilles. Ok. On va bien voir. Ah, écoutez, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et au prochain épisode, promis, j'ai des palmes, j'ai un casque, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour survivre. Alors, attends. C'est quoi, sève de... Ah, mais je les ai pas... Non, ah, je les ai pas analysés. Ah, mais c'est pour ça. Bah, écoutez, on fait ça dans le prochain épisode. Des bisous. À la prochaine. Ciao.